Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 15 de ma campagne avec Tyrion et aux elfes dans Empire Mortel de Total War Warhammer 2. Alors on en est où? Ben on est en train d'en terminer avec... Ah si, je suis revenu positif, donc on va le faire. On est en train d'en terminer avec les factions la faction Délirion. Mais ça prend du temps, c'est pas une petite faction, elle est assez imposante. Ah bah écoute, on va le faire en automatique, je pensais pas que ce serait si simple en fait. Voilà, comme ça. Toutes nos armées ce seront du même côté de la couronne, couronne intérieure. Donc ici... Non, c'est pas toi qui a pris un niveau, c'est qui? C'est mon champion. Franchement, j'ai un doute. Hein. Pour moi, un aigle, avec la vitesse, ça sera plus important. Hein. Ouais, je vais rester comme ça. Hein. Je vois pas ce qu'on gagne. On gagne un peu en armure, ouais. Mais même pas. Hein. Bon, c'est très très bizarre. Bon, donc on continue à augmenter ça. Donc cette armée se rapproche, celle-ci pourra se rapprocher également. Là on va rien faire pour l'instant. Tiens, il y a des gobelins ici. Et donc là ils sont en train de recruter et ils vont bientôt se remettre. Ok, allez, je passe le tour. Ou alors j'attaque. Je peux toujours démarrer le siège, hein. Si ça va pas, on fuira de toute façon. L'idée, c'est d'empêcher éventuellement leur leur recrutement. Ah oui, j'ai un ordre disponible. Alors effectivement, comme c'est la porte du griffon, l'intégrité on s'en fout. On va prendre ça. Les améliorations, j'ai pas d'argent. Donc on passe le tour. Je pense qu'ils vont pas se laisser faire, ils vont essayer de me chasser, donc je serai obligé de reculer. Alors eux, je commence à les voir de près. On n'est pas forcément en mauvais terme avec eux. On va dégager. Ok. Alors c'est parti, on y va. Alors déjà, vous allez vous débarrasser de ça, vous. Ok, voilà. Autant s'en débarrasser le plus vite possible. On n'a pas envie que ça arrive chez nous, ça grossisse chez nous. On va prendre cette ville en passant. Alors, ici, je crois que c'est pas mal du tout ça. Donc, si on regarde bien, ok. Là, ils sont bien sûr évidemment en train de se refaire. Alors, toi, je vais faire comme tout à l'heure. Tu vas venir ici.
Et tu vas te mettre en embuscade. Alors, toi... On va faire ça. Donc là, on est revenu positif, hein, rien qu'en ayant eu des pertes et ou en regroupant nos unités. Nagarit, c'est pas bon. Et Tyranok, ça vaut combien ça? On va le faire. Ok. Donc ça, je passe. Ça, je passe. Allez. Normalement, si tout se passe comme prévu, c'est l'épisode... Ah oui, on a encore une autre ville de l'autre côté. Mais avec un peu de chance, on aura effectivement... Où est-ce que vous allez, vous? Vous n'avez quand même pas l'intention de venir chez moi, là. Ça, c'est pas mal. C'est même très bien. On va venir ici. Et on va essayer de voir si on peut attaquer la porte de l'aigle. Allez. On aura comme ça tous les passages. Alors j'ai perdu sûrement mes lions de crasse. C'est un grand classique, c'est pas grave. Ils ne me plaisent pas, donc ça tombe bien. On fait des économies et comme ça on continue à pousser. Bon, c'est pas mal tout ça. On va essayer ça, tiens. Ok, donc Tyrion est là. Toi aussi, t'es monté. J'en étais où? J'étais par là, je crois. Ouais. On va faire ça. Toc. Est-ce que tu peux enchaîner? Non. Et toi, tu peux enchaîner? Allez. Les pertes, elles sont presque souhaitées. Hein. Voilà. Donc, vous restez à l'intérieur. Ça, on va le virer. Ça, on va le garder pour l'instant. Toi, tu vas venir ici. Ok, ça n'a pas traversé. Ici, j'ai bien mes murs niveau 3. L'hôtel de Ken, par contre, il n'a pas les murs. Ok. Ok, ok, ok. Alors l'autre chose, c'est est-ce qu'on en est où ici là? 4500. Allez, on va les prendre les 4500. J'ai absolument besoin de ces gardes phénix qui sont des merveilles. Donc Elirion, c'est normal que ce soit pas la fête. Alors par contre ici, je vais me taper une révolte. Donc on va peut-être, pour quelques tours, arrêter d'imposer. Ici c'est bon, rien de grave. Ok. Ok, ok. Donc Elirion, c'est presque fini. Alors du coup...
Non, ça va pas aller. Ça non plus. This is Bretonnia. Alors ils sont en guerre avec les Skellings, c'est ça qui me rassure. Eux sont toujours en guerre, effectivement, avec le culte du plaisir. Je crois que vraiment je vais rester seul longtemps en termes de diplomatie. Bon allez, on passe le tour. C'est quoi ces ordres? Ici je l'ai, ah bah oui, forcément. On va faire ça. Ça je prends pas. Ça je prends pas. Donc les maîtres des épées, ce sera surtout dans mon armée principale. Les autres peuvent se contenter de lanciers. Ah, et c'est toi que je voulais que je... Non, ok. Ils vont à l'envie. Eh ben, on me laissera jamais tranquille. Ok. Moussillon, 15 tours. Mais on n'est pas prêt d'y arriver. Alors, on en était où? Vitesse pour les aigles. Ouais, ça, non. Armure. Patrouilleur. J'ai toujours pas de cavalerie, donc c'est pas très important. Alors je pourrais éventuellement dépenser 4000. Je les ai. On va le faire. Donc à ce stade-là. Shield against the darkness. Et Lyrion, il en reste bien qu'une ville. Oui, c'est ça. Donc. What news? Vous allez vous dépêcher. Est-ce qu'on y va à la mer ou pas? Enfin, on traverse. On va faire le tour. Ok. Toi, tu vas chasser l'armée qui est là. Et toi, tu vas revenir, je pense, au bercail. Pour voir ce qu'on fait comme recrutement. C'est dans combien de temps 4 tours, et on a le temps. On a vraiment le temps. Donc là j'ai pas d'imposition et pour l'instant je peux pas le mettre. Donc on va laisser tomber. Alors qu'est-ce qu'on a? On pourrait améliorer ça. En fait j'ai envie d'améliorer tout ce qui est ressources. Donc il n'y a rien d'autre ici pour l'instant. Calédor. Calédor, est-ce qu'il y a quelque chose ici? On va faire ça. De toute façon, on a quasiment plus d'argent. Donc on va rester comme ça. Ok. Hop, 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 hop. Est-ce que tu peux pas... Chance sur 3. Ah là 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 là. Vraiment. Ok. Bon, je passe le tour. Non. J'en sais rien, ils sont peut-être en train d'approcher de Lyonnaise pour préparer une attaque. Hein. I am the heir of Anarium, and I bid you welcome. Eh ben, dites donc.
Ça chauffe, hein. Alors, ici on peut aller chercher quoi du coup? Vitesse, ça c'est quand même super bien. Armure pour les hommes d'argent, j'ai pas. Ok, rang recruté. Ah, ça c'est quand même vachement sympa. Hein. Ah, ça sera très bien, mais pas tout de suite. Voilà, tout ça c'est super bien. Allez, on va commencer par ça, je pense. Ouais, on va faire ça. De toute façon, dans ce domaine, je pense qu'on fera tout. Alors, toi... Voilà, un petit bonus de vitesse. Toi, tu te déplaces. Toi, tu te déplaces. Alors, toi, du coup, je me demande où tu dois aller. Non, tu vas filer en fait là-bas. Je vais pas recruter tout de suite. Alors attention, parce qu'on a vu aussi que là, ça pouvait être terrible. Alors, est-ce que j'ai déplacé tout le monde? Je pense. Donc ici, y a-t-il des gens? Il n'y a que Paravon. Ça s'arrête. Là, ça descend toujours. Ça se détériore. Alors peut-être que, quand vous voyez la barre de faction avec laquelle je suis en guerre, peut-être que ça va finir par servir à quelque chose. Hein. Mais je suis peu fiable, donc c'est pas étonnant que ça déplaise à la Bretonie. Hein. Donc j'ai un peu d'argent, on va regarder Tyrannoc surtout. Allez, on va faire ça. Ok, ici, on peut remettre des impôts. On peut. C'est parfait. Donc, c'est normal que ces quatre portes-là n'apportent rien. Alors, par contre, je crois que je vais récupérer 1500. Ça, c'est quoi déjà? Ouais. Très tentant de récupérer des sous ici. Hein. On va la garder pour l'instant, mais quand même beaucoup d'argent à récupérer ici. Hein. Allez, je passe au tour. Je sais même pas si j'ai fait une bataille en manuel dans cet épisode. C'est pas certain. Hein. Il n'y en aura peut-être pas d'ailleurs. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bon, il va falloir foncer. Avec leurs deux champions. Ok. Je me demande comment ils font pour faire ça. Mais... moi, il me semblait qu'on pouvait pas attaquer en vitesse. Bon, on va foncer. Toi aussi, tu vas foncer. Toi aussi. Ok, Nagarit on peut pas, Tyrannoc on peut pas, donc on ne dépense pas d'argent. Allez, on passe le tour. Je pense qu'on va pas avoir le choix, il va falloir attaquer la Bretonie. Ils ont déclenché les hostilités, donc... deux armées.
On va regarder ce que sont ces armées. Alors, toi, tu vas attaquer la tour. Y a des murs. Bah écoutez, je pense qu'on va la faire cette bataille. Parce que je crois pas en avoir fait en fait en manuel. Alors on va le faire qu'avec des échelles, hein, donc ça va pas forcément être très simple et j'aurai des pertes. Mais au moins on aura sécurisé Ultuan. Ah tiens, assez curieuse cette... On va voir combien il y a de tours de ce côté-là, ça pourrait être sympa. Ouais, c'est pas sûr en fait. Parce que là je vais me taper beaucoup de tours en fait. Alors j'ai pas beaucoup de cac. Hein. J'ai... Ouais, regardez ça. Ici, il y a quand même beaucoup... Je pense qu'on va être obligé d'attaquer en face en fait. Ah non, ici c'est pas mal en fait. C'est pas mal ici. Alors là c'est bien ça qu'il nous faut. Vous allez être ici. Vous allez être ici. Ok. Alors on va accélérer parce que je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'autre ici. D'ailleurs, du coup, je me demande si on va pas faire ça plutôt. Parce qu'on pourra très bien venir ici, on sera pas embêté. Donc en plus, j'ai détruit la porte avec tout ça. Ok, vous dégagez de là, je vais vous mettre ici. Et on va pouvoir lancer les hostilités. Que je monte sur... Je pense qu'on va utiliser nos archers de la même manière que on l'a fait à l'instant. Tant qu'ils auront des munitions, on va bombarder tout ça. Thank you.
Maintenant, à partir de maintenant, on va ralentir. On va voir pourquoi je peux pas tirer là. Bon, y a un problème encore de pathfinding. Ça commence à devenir très agaçant quand même, hein. Moralement, ça a l'air de lâcher à peu près partout. Hein. Il reste bien lui, hein. Ok, je vais envoyer ça ici. Et vous, je vais vous descendre ici. On va voir si vous pouvez être plus utile. Ah mais je crois, je sais pourquoi, oh là. Ok. J'ai dû faire une fausse manip. Ok, je suis encore enfin en train de m'en débarrasser. Ok, il est en train de lâcher là. Essayer
d'en finir avec eux. Ok, ça lâche. Parfait. ...247 pertes. Ouais, il y a une fausse manip que j'ai dû faire. Donc, Elirion doit être détruite, je pense. Ah non, il reste une armée. The Asser have conquered. Ok. Defender of the Phoenix Throne. Donc ça c'est fait. Alors d'ailleurs, comment ça marche? Ok. Donc je contrôle Ultuan. On va regarder ça déjà. Donc je contrôle Ultuan. Il faut des Tornagaron et le culte du plaisir. Et il faut 8 colonies parmi celles-ci. Sachant que j'ai l'Auterne. Ok. D'accord. Et là. Alors, est-ce qu'il y a les. Est-ce qu'il y a la Bretonie? Ouais, couronne. Ok. Ok, ok, ok. Il y a du boulot, hein. Ouh, il y a du boulot. Ouais. Bah écoutez, de toute façon, il faudra y aller à l'est, hein, donc on va y aller, hein. Ok, donc j'en étais où? Est-ce que tout le monde a joué? Tyrion a joué. Ouais, tout le monde a joué. Alors, en termes de revenus, Nagarit, on peut faire quoi? On peut faire ça. On peut faire ça. Ok. Alors, l'Auterne, c'est peut-être le moment. Là, il faut quoi? Ah, il faut 13 000. Le revenu est juste énorme. Donc, il me faut 13 000 et j'aurai encore un bâtiment disponible. Ok, bah, je pense qu'on va économiser parce que ce bâtiment-là qui rapporte 1000... Attendez. Je vais être sûr de comprendre. Ça c'était combien? Ah non, 400 en plus. Ok, ok, ok. Bon, mais écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite.